Ok, donc deux Oshi. Moi j'aime bien faire ça avec blanc aussi, deux Oshi, et j'aime bien faire ça avec noir des Kobuku, donc on est en accord, on va dire. On a une heure chacun, plus 3 fois 30 secondes. Les règles sont en naga, donc c'est un peu équivalent aux règles françaises, on va dire, où c'est... On peut jouer les damés, voilà, par exemple, quoi. Et il faut savoir que mon adversaire est 3 QFFG. Donc je ne sais pas quel classement KGS ça peut faire entre... Ça dépend des personnes, ça peut aller de 2Q à 1 Dan, un truc genre. Ouais, c'est dur à dire parce que moi je suis 1 QFG, et là 1 Dan KGS et j'arrive pas à monter plus haut, donc c'est assez dur à définir, ça dépend de chacun, des styles et tout, du sérieux qu'on donne dans les parties sur internet, etc. On va jouer un grand Shimari, il va approcher de ce côté en 4ème ou 3ème ligne selon son style. Si je joue en quatrième, il y a des chances que j'approche en R5. Et si je joue en troisième, je vais... Je ne sais pas. On va déjà voir ce qu'il fait. Et approche en quatrième, ça me facilite la tâche, on va dire. En vérité, oui, c'est bien de prendre. Je sais que souvent, moi j'aime bien les pinces, hein, j'aime beaucoup pincer. Après, là, sur une partie de tournoi... Ça fait quand même un bon moment que à chaque fois que je revois mes parties, quand j'ai pincé et tout, que ce soit des gens ou l'IA souvent aussi, il me dit mais le coin est très gros quand même, prends-le, ça coûte rien. Donc je prends le coin. En plus j'aime bien les points, hein. C'est seulement je pince souvent parce que j'aime bien attaquer. Et du coup c'est plus efficace. Je pince beaucoup plus quand je suis blanc. Parce que le but de blanc quand même dans une partie finalement c'est... Si on résume vraiment tranquillement hein, le jeu de Go à égalité, c'est noir, c'est comme il commence, il aimerait bien garder le moins de groupes possible et rester connecté, alors que blanc, il aimerait bien séparer les positions de l'adversaire en soi. Il est obligé un petit peu. Donc on protège, pour l'instant il n'y a rien de bizarre, hein. Il va jouer là, voire ici. Et moi, je pourrais jouer en quatrième ligne si j'étais en face, mais comme je ne le suis pas, je vais jouer en O3. La dernière fois, quelqu'un m'a joué N3, c'était marrant. Mais j'aime pas trop. Bah, j'aimerais pas le jouer moi-même, quoi. Ça fait un peu peur, les futurs P3, TAC et année. Ok. Ça, par contre, j'ai vu qu'on pouvait beaucoup plus facilement le Tenuki. Parce que quand blanc vient en Q5, ça fait 5 minutes ou pas? Est-ce que des gens sont arrivés? Non, ça commence à 30 secondes. Ok, ça roule. Du coup, ça n'a pas marqué que ça avait lancé le stream, j'imagine. Non, c'est ça. Ok, le stream n'a pas commencé officiellement. C'est la première fois que je fais ça. Ici, je disais. Bon, bien sûr, je peux répondre là. Hein. Et lui, il peut aller là. Ça fait un peu forme d'ancien je sais qui. Ce qui est sympathique, hein, parce que si je joue ailleurs et plus tard il peut revenir ici, voire approcher là. Et moi, si une fois qu'il a joué là, si je prends mon extension naturelle, en fait, comme lui, il pourrait y prendre la sienne, il pourrait sauter. Après, son saut est pas incroyable parce que il reste quand même des entrées. Mais là, je crois que j'ai déjà vu. C'était dans les vidéos de Go Inside de Tenuki ça. À la rigueur, je veux ça, mais on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Mais en fait, si je Tenuki, blanc viendrait en P3. Et. Blanc viendrait en P3. Je vais ici. Blanc viendrait là. Je protège comme ça ou comme ça. Et ensuite, blanc vient là, je vais là, il va là. Finalement, oui, on a une force, mais en soi, on a quand même le coin. Et on a gagné un coup à l'extérieur. Et finalement, on est encore senté, on peut encore jouer un autre coup à l'extérieur. Donc oui, on lui donne une force, mais c'est assumé. On a gagné deux coups, en quelque sorte. Et aussi, à la place de P3, s'il vient en... Au 4, je crois que là,
on doit venir en P5. Ça vient ici, on fait Atari, il protège et on glisse. Je crois que c'est un truc genre, ouais. Donc on va se faire ça. J'ai l'impression que c'est sympa. Même peut-être pour aller par là. Peut-être que ça pourrait être un des deux coups à gagner. Ça, c'est à réfléchir. Mais pour l'instant, j'ai envie de m'emparer d'un coin. Si je prends celui-ci, par contre, tac, 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 tac. Il fait sa séquence ici. Donc, imaginons celle-ci. Il donne le plus envie quand même de taper sur la forme. Tac, tac. Hop, hop. Il vient là, je viens là, il pousse. Si on approche par ici, on va se retrouver avec un coup isolé. Après, en soi, il sera tout dans le même coin et on peut aller prendre le dernier coin, voir à s'étendre ici. Donc ça a l'air cool quand même. Je prends le coin. Et salut Fedrengo. Bon, du coup, tu entendras mon salut dans 5 minutes, mais c'est le but pour pas avoir de problème. Bon visionnage à toi. Alors. Et il pousse de ce côté parce que justement, on voyait juste à la fin que finalement, ce serait un peu mettre tous ces deux dans le même panier. Donc très souvent, on n'a pas envie de jouer comme ça. Donc il pousse dans cette direction, c'est logique. Salut le fuck. Bon, je vois que ça marche bien. Les émoticônes only, on n'aura pas de problème. On vient de ce côté et là... Oh Peut-être mieux juste jouer ça. Hein. Je viens là et je viens là. Est-ce qu'il a révisé son truc? J'imagine. Il joue F3 et il dit « Je connais les séquences. Tu veux jouer? Tu les connais ?» C'est un peu ça, hein, je pense. Après, les connaître, mais est-ce qu'elles sont avantageuses pour moi? À la fin, j'obtiens un mur dans quelle direction déjà? J'obtiens un mur comme ça, ici. Donc dans cette direction. Ça l'arrange pas, du coup. Ça l'arrange pas de faire ça. Si on fait le je sais qui un peu bizarre. J'obtiens un mur ici, même s'il récupère le coin a priori. Et lui, il se développe sur le sud, donc qui finit Sente, je crois que c'est moi. Ça dépend de quelle variation. Et il faudrait que j'obtienne ça dans ce cas-là, parce que s'il écrase, il obtient quand même un truc vers là, il pourra obtenir un bord sud assez intéressant. Mais on va accepter. Allez, c'est parti pour... partie un peu compliquée. À moins qu'il joue en E3. Je vais en E2, finalement il est temps, je pousse, il est temps, et je vais ailleurs. C'est possible aussi. Et non, on y va. C'est parti. Il monte, je monte. Ok. Est-ce qu'on pouvait éviter de faire un truc compliqué comme ça? Oui, c'est de ma faute un peu, je pense, mais bon. C'est un peu de ma faute. Bon, ici, il vient là, il n'y a pas 36 000 choix non plus. Du coup, hier... non, avant-hier, en stream, on a vu qu'il y avait ça de possible, mais je connais pas beaucoup. En fait, mais c'est sympa aussi, hein. Quand je viens là... blanc allait ici. Salut HPDAN. Quand je viens là, blanc allait ici. On est là, blanc, noir, blanc. Et noir pouvait protéger là. Blanc a toujours pas le chichot. Il me semble. Hein. Tac tac tac. Non, jamais de la vie. Là, il tombe ici. Hein. Tac 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 tac. Ouais, ouais, pas besoin d'aller jusqu'à la fin. Donc soit il y a soit, soit il y a ça. Tac. Blanc. On sort comme ça, blanc vient là, on vient ici. Attends, tac. 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 Fait année. Là, blanc a le choix entre ça et ça.
On vient ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai le choix entre les deux. En fait, avec celui-là, on a vu, on est enfermé dans le coin et à l'extérieur, il s'établit de ce côté, c'est du combat. Le Borsu ne nous intéresse pas trop et il se développe de ce côté, vers la pierre qu'il voulait, avec une forme, bon, c'est particulier. Et sinon, je coupe de ce côté. Et normalement, j'obtiens un mur ici, en fait. Mais il obtient peut-être le coin. Après, je suis installé potentiellement dans deux autres coins et je peux peut-être m'installer dans celui-là encore. Donc j'aime bien couper ici. Il restera encore des trucs dans le coin, hein, un peu bizarre. Beaucoup de menaces de coup. Donc je me dis, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc ouais, sur Twitch, ça a bien lancé, cool. Il vient ici, et nous, oula, j'ai failli faire la taille. Nous, on vient là, si je me trompe pas. C'est ça. Je vérifie que ça ait tout lancé. Ouais, vous êtes 11, salut à tous. J'espère que c'est pas trop gênant pour vous, après voilà, c'est... Si vous êtes là en même temps, je pense que c'est vous appréciez aussi qu'il stream. Et là on fait année. Il a le choix, il a le choix entre ça et ça. Par contre c'est un peu risqué parce que ça fait... Ça fait un moment que j'ai pas réalisé cette je sais qui, mais je sais pas, là je les ai bien en mémoire. Il y en a un qui est plus simple que l'autre, je crois. C'est s'il va... S'il fait sa gueule de tigre, je crois. Ah mais en fait, je peux vous répondre en chat, tout simplement. Moi, j'ai le droit d'écrire. Salut à tous, bon visionnage. Salut Umpilus. Ok, il fait cette variation, et là c'est maintenant que je viens ici. Et qu'il coupe, et je descends, et il descend, et je descends, et il descend, et je descends. Et... Et je me suis trompé, c'est lui qui s'installe sur ce côté. Ah oui, j'ai inversé les couleurs dans ma tête. Bon après on prend un gros coin, il s'installe du côté qu'il veut, ouais. Du coup peut-être que je devais couper de l'autre côté. Je sais pas. Je sais pas. Et là maintenant il va là. Il peut descendre aussi, mais bon on fait Atari là, y a pas grand chose. Ici, viens ici, on fait Atari là. Donc là il s'étend en C10 et c'est je sais qui, hein. Après, il prend une belle influence, donc ouais, je sais pas pourquoi, j'ai imaginé que c'est moi qui avais cette baguette noire. Bizarre. En tout cas, ah, un cran plus loin, ok. Bon, je pense que c'est kiff-kiff, hein. Ici, il y a rien du tout pour moi. Ok. Bon. Clairement, territoire contre influence, quoi. C'est clairement ça. Hein. Après, j'aime bien le territoire, donc ça correspond. Hein. Mais il a une sacrée influence. Heureusement, je suis sainté. Donc maintenant, il faut dire, il faut prétendre, grâce aux trois coins que j'ai potentiellement et mon sainté, it's ok. Je suis quasiment sûr que l'IA sera en mode C17, C17. Et d'ailleurs, si je vais en C17, je me demande si ce coup-ci, il va en C16 ou en D17. Je pense qu'il va en D17, puisque C16, ce serait vraiment mettre tous ces deux dans le même panier. Quoique. Quoique. C17, C16, je vais en D17. Il pousse en E16, je vais en en E18. Non, en F18, pardon. Et... C'est quoi sa suite? Par exemple, N16, et il fait « Regarde mon centre ». C'est pour ça que là, c'est peut-être plus intéressant d'aller en F17 plutôt tout de suite. Ou il taperait en F16, peut-être. Peut-être que l'IA aussi, elle dirait peut-être « Sors ta pierre d'une manière ou d'une autre ». En fait, il a joué un cran plus loin. Moi, je crois que c'était là. Donc si je vais là, même si je joue ce coup ici, je vais là, il doit rajouter un coup, non?
ça veut pas dire que c'est bon tout de suite, mais une fois que ça s'est passé comme ça, tac tac tac, s'il joue ailleurs, qu'on vient ici, il vient là, hein. Je viens là, il capture. Il capture, attends, noir, imaginons il y a une pierre blanche ici, et ici c'est bon, on a capturé, en quelque sorte, on est là, donc noir, blanc, on a une pierre ici, non, ici, noir, il a deux libertés, il veut prendre, noir, mais on atterrit ici. Blanc capture. Non, il n'y a rien. C'est seulement on gagne un peu de force, quoi. Ouais, non, il n'y a rien. Tac. Et avec un coup comme ça. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir capture, mais blanc sort. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'ai rien dit. Ok. My bad. J'ai cru. Il y a peut-être des coups embêtants, mais voilà. J'ai cru. Bon, bref. Je suis un joueur long, hein, et encore une fois. J'utilise un quart d'heure, lui 5. 5 minutes. Heureusement, on a plein de temps, et c'est ça qui est cool. On peut discuter. Et le début de partie, c'est important. Est-ce que O3, c'est gros maintenant? Parce qu'on pourra pas réduire à gauche. Hein. On n'a rien du tout, on n'a pas de coupe, parce que si on coupe, il capture notre pierre. Donc, ici, on n'a rien, on peut pas réduire. Donc peut-être que ça, c'est gros. Est-ce que c'est le plus gros? Lui, s'il vient par là, encore une fois, on fait ça, tac, 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 et on glisse, tac, tac, il pousse. Donc en fait, un jour ou l'autre, il faudra que j'approche par là, un coup par vers le Tengen, j'imagine. Un coup par ici sera gros aussi, ça forcera les séquences, mais pour l'instant, ouais. Donc soit vers là, le Q10 a l'air sympa, ça joue en direction de mon Shimari, et ça force un peu cette séquence. Peut-être que je vais le faire, parce que... Ça prend de la force sur le centre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il aura envie de jouer par là. De ne pas laisser ces trois pierres comme ça un peu isolées. Sinon après, je joue ça et j'attaque un peu. Et en fait, en partant, bah, je vais réduire son centre. Il n'a pas envie. Donc tac. Imaginons, il joue celui-là. Je viens là. Il vient ici, je viens là. Il va ici, je viens là. Il pousse. Bah, je joue ailleurs. Et s'il vient là après mon Q10... comme je disais, tac, 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 je glisse, et là, il a pas envie que je remonte comme ça et que je saute tranquille. Donc il revient encore, et je vais là. Ça, c'est vraiment le scénario idéal pour moi. Bien sûr, imaginons ici, Itenuki. Il vient là. Bah, je pense que j'ai gagné comme ça, qui est cool. Bah, je pense que ce coup-là est vraiment cool. Allez, hop. Je pense qu'il est vraiment cool. En direction de mes pierres, ça empêche qu'il prenne une accession de ce côté pour ces trois-ci. Ça a l'air sympa. Allez, on va faire ça. La feuille de tournoi, non, ça c'est les tirages, c'est comment déjà? Et titi, Discord Stones. Donc, le 4 Dan affronte 3Q. Ils sont où les autres joueurs Dan? Ah, ils sont pas arrivés ce matin? Il n'y a pas le joueur 4 Dan. Ah si, il y a le joueur 4 Dan, mais il n'y a pas le joueur 3 Dan. Et il n'y a pas le joueur 1 Dan. Je voyais qu'il y avait 3 joueurs au-dessus de nous, les 1Q. On est plusieurs 1Q. Là, on est 1, 2, 3, 4. 4 1Q à jouer la première ronde. Mais il y en a qui ne jouent pas tous les rondes. Ouais, ok. Ok, ok. Et il fait cette séquence. C'est bien ce que je pensais. C'est bien psychologiquement. On l'a. En même temps, c'est pas mauvais hein, ce qu'il fait. On prend le coin, et on va redevenir Sente. Et ça, c'est l'objectif. Et en vrai, objectivement, j'aime bien Noir. Hein. Après, il y a une belle influence, mais l'influence, c'est tellement dur à jouer. Ouais. Comme prévu. On joue là, double gueule de tigre, on protège les deux coupes à la fois. Il vient ici. Je vais là. Il veut pas laisser le double année, l'année à la tête de pierre. Il a là, blanc, si noir vient en N3, il souffre quoi. Ça fait année, il résiste, année.
La menace de double taille, voilà, il continue. Et maintenant, à moi de gérer. J'ai ce coin. J'ai ce coin. J'ai ce coin avec une extension. Enfin, ce coin. J'ai une force. Non négligeable, mais voilà, c'est pas encore tout à fait dit. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Je dirais il y a 4 voire 5 options. C17. On prend le coin et on dit mon cash, ça va suffire. Après, il y a beaucoup. Il y a par exemple, il y avait le proverbe si blanc a les 4 coins, noir a perdu. Mais si noir a les 4 coins, noir a perdu. Donc voilà, en gros, si quelqu'un a les 4 coins, noir a perdu. C'est un proverbe qui peut se vérifier, parce que si je prends le dernier coin, il peut faire une force et imaginons il joue un coup par là ou par là, on voit le centre, si j'arrive pas à dire non, tu n'as pas ce centre, j'ai pas le mot là tout de suite. Il y a beaucoup, beaucoup voilà, de points. Quoi. C'est, on dit les coins sont d'or, les bords sont d'argent et le centre c'est le jardin public, mais bon, parfois le jardin public il peut quand même cacher un trésor, quoi, on va dire. Ouais. Sinon, j'ai F17. Donc une approche où j'étends sur le bord le plus large. Le seul bord de Fuseki, ben c'est vraiment finir le Fuseki de manière conventionnelle, je pense, ce F17. Donc ça, c'est vraiment la deuxième option. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ici? Je pense qu'un coup, vraiment, comme on disait tout à l'heure, vers F16, c'est pas déconnant. Avec un petit Joseki qui s'ensuit, ok. A voir cette option, parce que si je finis Sente, par exemple, je pense que je peux finir Sente. F17, F16. Je vais là, il recule, je vais en E18. Mais peut-être que là, il protège pas son coin, peut-être qu'il tourne. Après, s'il tourne, il donne beaucoup également. Non, en général, après, il protège en C17 et je ne suis pas obligé de protéger ma coupe, puisque elle ne marche pas la coupe tout de suite pour blanc. Et là, je serai senté et je rajoute un coup par ici, ou alors je commence à jouer par là, ou quelque chose. Ça peut être intéressant. Troisième option. Jouer avec ça tout de suite. Je ne pense pas que ce soit le timing, mais c'est une option. Quatrième option, réduire en jouant vers le centre. Je ne pense pas que ce soit tout de suite non plus, comme on dit, il y a des trucs de l'IOC. Ou alors cinquième option, c'est je trouve que ce groupe est attaquable et je l'attaque. Mais je l'ai déjà fait une partie, bon c'est pas récent, c'était il y a 2 mois, 3 mois. Ça avait très mal tourné. C'était un peu la même situation, il y avait un mur blanc, ouais. Et finalement c'était moi qui me cible, je suis mort. Et en plus, bah, ça gagne de la force, donc il rentre comme Dieu du beurre. Donc ouais, ça c'est vraiment, si je suis en retard, je ne suis pas en retard. Donc en fait, je pense que ces deux options sont bien, je me dis, principe de base, il reste un bord large. Souvent, on peut se poser les questions aussi, ça c'était un autre du club de Brest qui m'avait dit il y a longtemps, Jonathan, une situation est arrêtée comme ça, là, qu'il n'y a pas de secours évident. 1. Est-ce que tu. Bah moi, est-ce que j'ai des groupes faibles ou instables, genre qui ont plus beaucoup de direction? Ici, non, on a l'air vivant partout. Je ne compte pas ce groupe, cette pierre en E7 comme un groupe. Même si c'est une pierre de coupe, je ne compte pas comme un groupe. Donc non. Est-ce que l'adversaire a des groupes faibles ou instables? Non. Ok, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y a des bords intéressants pour toi? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un bord intéressant pour l'adversaire? Oui ou non? Bon, autant y jouer, ça a l'air intéressant. Et s'il y avait rien de tout ça, en fait, c'était, par exemple, quel est le coup que l'adversaire aimerait jouer vraiment? Si tu en vois un vraiment identifiable, bah, joue-le, ça peut toujours faire chier. Ou en tout cas, dans la zone qui empêche, quoi. Les coups que j'aurais vus pour blanc, si c'était à blanc de jouer juste avant, je pense sincèrement qu'il aurait joué soit F17, soit quelque chose du genre N16, O16. Donc je pense que mon F17 n'est pas une erreur à partir de tout ça. Je peux me tromper, hein, bien sûr, mais je pense que c'est pas déconnant. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire pourquoi il prend tout ce raisonnement pour juste un kakari et une approche de coin, mais faut analyser. En vrai, la position de blanc n'est pas évidente, il a une belle influence, mais il faut savoir quoi en faire, c'est pas facile hein, de jouer influence. C'est bien, on arrive à deviner à peu près ce que va faire blanc, ça c'est agréable par contre. Ici il est plein, il a joué un cran plus loin.
Bon, on joue ça. C'est la marche, c'est la course vers le centre. Il vient ici, on vient là, et je me demande s'il va pas pousser. En même temps, s'il pousse quatrième ligne, ça a l'air gros quand même. Normalement, c'est C17. On va voir ça. Le message épinglé est plus épinglé ou alors c'est pas affiché ici. Bizarre. Ah, c'est parce qu'il y avait une période. Message épinglé, retiré manuellement ou à la fin du stream. Ouais, c'est ça plutôt. Hop. Voilà. Désolé pour... Bonjour à tous. Hop, voilà. Tac. Et il défend. Ok. Même là, est-ce que j'ai envie de rajouter un coup? En fait, ici, j'ai presque envie de jouer... J'ai 15 ans. Même si je joue la coupe, imaginons tout de suite. J'ai 17. Je vais en H17. Il descend. Je vais en H18. Il va en F18, Atari, mais finalement, j'ai encore 3 libertés en E19, D17 et E16. Donc ça ne marche pas la coupe, encore. Donc en fait, quand je joue G15, certes, il peut jouer E17. Mais je me demande si à partir de là, moi, je ne joue pas tout simplement un Toby vers le centre en G13. Donc imaginons, noir, blanc... Noir, blanc, noir sacrifie, blanc descend, noir, non, blanc capture, pardon. C'est pas idéal forcément. Non, non, il faut peut-être que je rajoute un coup quand même. Parce que noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc capture. Et en fait, il lui reste H18 de très gros, mais si on protège en allant là, il y a une coupe. Si on protège en allant là... Il peut menacer d'entrer avec J18, tac, et aller après faire chier. Donc c'est pas évident, non, il faut peut-être que je protège d'abord avec ça. De toute manière, il va répondre par là, parce qu'il l'investit. Tac, tac, tac. Il protège d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a quand même pas mal de points de coupe, donc imaginons il protège là. Et après je monte. Et je prends l'ascendant sur le centre, et noir doit réagir, blanc doit réagir. En même temps, si je viens là et qu'il réagit là maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, j'y vais quand même, hein, c'était le plan à la base. Ça change rien. Et en même temps, tac, s'il vient là et que je protège... Peut-être que je peux faire ça aussi, tout simplement. Noir, blanc, noir. Ouais, mais il reste des kicks chiants. Non, on va aller là. Hop là. Ils sont sympas d'avoir, de m'avoir donné l'autorisation de streamer ça. Bon, comme vous voyez, hein, il y a les trois conditions. C'était pour pas que je triche, même si c'était un inventaire ou n'importe quoi qui ait des coordonnées, chatter émoticône ami. Pour pas que mon adversaire puisse tricher, même si, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des tricheurs vraiment dans les tournois comme ça. Enfin, après, ça va arriver, hein, mais bon. Retard de 5 minutes. Et... Après, vu comment je blablate, est-ce que 5 minutes ça suffit? Et troisième condition, c'était forcément demander à chaque partie l'autorisation. Donc vous n'aurez peut-être pas les 5 parties. Il y a aujourd'hui 10h, 14h, 18h. Et demain 10h, 14h. On verra si vous avez les 5 ou pas. Ça dépendra de. C'est du cas par cas. Atari, on répond. Hein. On donne un peu de qui. Et on monte. Hein. Oui, il y a pas mal là, mais bon. Il y a un beau potentiel ici. C'est la course vers le centre. Là, il fanait. Hein. J'ai l'impression que je suis content avec la pierre en Q10 s'il y a quand même un beau bloc qui se dessine. Plus les points là, plus les points là. Après, il faut calculer qu'il y a 7,5 commis, mais bon. Et il continue en obéissance. Ah, je. Oh, il peut faire AD, non?
il risquait pas grand chose. Et moi, il m'embêtait, peut-être qu'il y avait des points de coupe. J'ai l'impression que ça, c'est gentil. Je continue, hein. Franchement, là, je suis très content de continuer. Si c'est vraiment ces formes qui l'inquiètent, il y aura un peu les mêmes problèmes quand année, tac, et les Atari coupent, peut-être. Bon, il n'y a rien, normalement. Moi, hein. Ouais, je pense qu'il n'y avait rien. S'il faisait année, causer ça, continuer. Si un jour, je coupe, tac, tac, Atari, ou alors Atari dans ce sens, s'il protégeait, je descendais, je pense qu'il n'y avait rien. À la rigueur, un petit peu d'IOC, mais... Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais... je vais rajouter des petits trucs d'ailleurs. Le niveau de l'adversaire, mon niveau, je vais rajouter ça au-dessous des cases. Et il continue. Donc là, il est en train de me dire, je suis satisfait de ce qu'on est en train de produire. Lui, il dit, ah, cool, tout ça. On va estimer un peu les points. Ici, il y a combien? Ici, il y a combien? Et là, bon, c'est dur à dire. Ici, combien on aurait? Il faut savoir que on va perdre... On va perdre un point ici, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, 16, on va dire. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a 26. Et ici, c'est dur à dire. Mais ça pourrait vite devenir du territoire. Si jamais on partageait, ça pourrait vite devenir gros, quoi. Je pense qu'on peut arriver à 50, 60 facile. Et lui, il a combien ici? 2 fois 10. 2 x 12, parce qu'il aura très certainement cette descente. 2 x 12, 24. Ok. Ouais, ici, il va avoir 50, en fait, vers là. Selon ce qu'il a ici, ouais, ok. Après, moi, ici, je peux avoir aussi très rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois déjà rien que 6. Ici, il peut y avoir 36 déjà, quoi. Plus potentiellement ici une quinzaine, plus ce qu'on a dit là. Je suis pas fan de la méthode de blanc. On va continuer sur la course vers le centre, en faisant un K-main. C'est assez naturel, hein, c'est si blanc joue ici, on voit qu'il développe vers la zone qui l'intéresse. Et si noir joue ici, on voit que je développe vers la zone qui m'intéresse. Donc là, en fait, ce point-là, c'est la frontière entre les moyeux. Il faut dessiner, il faut faire les petits pointillés ici. Se dire, ouais, il y a vraiment une frontière qui est très facilement identifiable. Donc allez, parle. Il y avait aussi ce côté, mais il a l'air moins intéressant. Parce que si j'allais de ce côté, blanc va par là, et je m'écrase, et il pousse. Finalement, c'est lui qui pousse. Alors qu'en allant par là, si blanc vient par ici, il peut réduire, mais en soi, on va être réduits tous les deux, et j'ai plus de points dans les coins, j'ai 3 coins contre 1, donc c'est intéressant. Je pense. Du coup, je disais que je voulais rajouter des petites notes. Hop. J'avais pas pensé sur le coup, mais... bon. Tac. Désolé, hein, c'est pas très beau. Hop. C'est... Paf. 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 Hook. Pouf, pouf. C'est un truc genre... Hop. Ok, il approche maintenant. C'est bien. Il faut, sinon c'est pas possible en fait si on joue tranquillement la partie comme ça. S'il vient là, je pousse, tac, et que je dis je prétends un coup par ici, bah c'est juste game over sinon, je pense. Donc là, il faut qu'il approche, et ouais, ce coup en O16 a l'air mieux que le coup de l'approche en Q16. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas mal de possibilités. Je peux aller en N17. Il approche en Q16. Je viens là, il vient ici. Il faut peut-être que je protège. Après, il joue ses pierres en Adji et s'éloigne rapidement et il joue potentiel. Je peux
Si je recule comme ça, il saute ici, je viens au milieu, tac, tac, et il sort tranquille. Ok. Quoi d'autre? Si je viens comme ça, il vient ici. Je fais Atari, il vient là. On a le choix entre monter ou monter ici ou faire Atari là. Et si je viens ici, il vient là. Atari, tac. Ouais, si je viens ici, il vient là. Atari, tac. Et encore une fois, on a le choix entre la montée ici, ouais. Ou alors on reprendrait la pierre là, mais il peut faire cet Atari, non, sinon je capture. J'hésite entre les deux là. Si je fais ça, en fait, peut-être qu'il vient là tout simplement. Si je viens là, il vient ici. Il faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse Atari, tac. Et là, j'ai le choix entre ça, ça et ça. Et si je viens là, il vient ici. On fait Atari, tac, et quoi après? Je connais moins ces séquences. Je connais plus ces séquences-là. Tac, tac, non, ces séquences-là, pardon. Tac, tac, et Atari, il faut faire Atari, sinon, voilà. Et ensuite, on a ces trois choix, tac, tac, tac. Et si je fais ça, il vient ici. Attends. Je monte. Il fait Atari. Je vais là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, grâce à ma pierre à Q10 et mon mur là, ça, ça a l'air intéressant plutôt que laisser les séquences là. Tac. Ça, je veux dire, ça plutôt que ça. Tac. Blanc. Noir. Blanc vient en O15. Et ensuite, si je monte. Blanc, noir. Blanc. Noir revient comme ça. Et blanc revient ici. Et noir s'étend. Et blanc fait un petit costumé. Ouais, il s'installe de ce côté, il est content. Si je fais ça. Tac, 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 tac. Noir. Blanc, noir, blanc. Et si je fais Atari. Contre Atari. Je sais pas trop, je sais vraiment pas trop. Que si je fais ça, il va faire un petit truc de ce côté et s'installer un peu en face de mon mur, c'est pas évident. Si je fais ça, il va s'installer par là, peut-être. Tac, 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 tac. C'est très dur, il y a tellement de choix en fait sur ces trucs-là. Peut-être qu'il faut juste que je fasse un hobby et que je dise vas-y, fais ce que tu peux, mais à la sortie, je suis là quoi. C'est possible aussi, hein, si je fais ça, il saute. Atari, Warikomi, pardon. Et là. Je viens ici, et quand il s'en va, d'une manière ou d'une autre, finalement, il est pas solide. Donc ça, c'est la version gourmande, quoi. C'est vraiment, je te couvre en gros, quoi. Je sais pas du tout. J'ai envie de trouver une variation qui me va, mais en même temps, c'est just skip pour lui, hein, de faire un truc léger sur l'extérieur, donc il fallait être prêt. Sinon quand je fais ça qui vient ici, Atari, tac, et on fait Atari de ce côté. Dans ce cas-là, il peut faire contre Atari.
pense que ça c'est bizarre, allez. On va réagir comme ça. Je pense que c'est plus classique. Je connais mieux les variations surtout. Moins de chances de me tromper, de faire une erreur fatale. Du coup, je m'étais vérifié que c'est la même police que la même. Hop. Copier. Ouais, c'était pas extrêmement la même couleur, même si ça change pas grand chose, hein, bien sûr. Hop, voilà, c'est plus joli comme ça. Et un autre. Ouf. Tac. Ok. Tac. Hop. Tac. Tour. Couleur noire. Hop là. Ils sont mignons. Très bien comme ça. Je pense. Hop, ouais, je suis un peu maniaque hein, quand même. Faut coordonner près. Je suis un peu maniaque, pardon. Bon, que ça on ait les classements pour le reste de la journée, c'est bien. Il suffira juste de changer. Donc oui, il est 3Q FG lui, et la partie égalité. En fait, à partir de 2Q, je crois qu'ils ont dit, c'était le système McMahon, c'est que à partir de 2Q, les au-dessus, il n'y a plus d'handicap. Moi, comme je suis un Q FFG, donc normalement, il devrait quand même y avoir une pierre parce qu'il est 3Q. En fait, c'est handicap moins 1. Donc il y a une pierre mais parce qu'il est 3Q, donc il y a quand même une pierre. Mais comme c'est handicap moins 1, c'est passe à 0. Donc lui, il se fait un peu avoir sur ce truc-là. Donc c'est ouais, partie égalité, alors que normalement, on devrait y avoir deux pierres. Avec le handicap moins 1, il y a moins 1, mais avec le système McMahon à partir de 2Q, il y a encore moins 1. C'est con pour lui. Je sais pas si je suis très clair. Vous avez les règles du tournoi, normalement. Ça va pas apparaître beaucoup, du coup, mais... Oui, ça va pas apparaître beaucoup, les... J'ai mis. Faut que je regarde ça sur... Hop. Du bot, parce que c'est, ça apparaît à une fréquence après certains messages, mais non, il faut que je mette après une fréquence seulement. Je suis bête. Fréquence après x secondes, voilà plutôt. Donc qu'ils apparaissent dans l'ordre, ouais, c'est très bien. Tous les 4 minutes, voilà. C'est très bien. Et ligne par ligne, voilà, super. Parfait, parfait. Voilà, ça apparaît, voilà, c'est mieux quand même. Désolé, petit à petit. Hop. Et lui aussi, il y a beaucoup de variations. Attention, là, j'ai pas grand-chose à réfléchir. Ça dépend vraiment son coup, mais normalement, il n'y a pas 36 solutions. Normalement, il joue N17. C'est le coup classique. En fait, je vois pas trop ce qu'il imaginerait d'autre ici. Ah, il peut réfléchir. Oula, j'ai forcé sur le câble, on va retirer. Il y a aussi ce qui est tentant. En fait, c'est forcément un nez qui est tentant. Mais peut-être qu'il se dit, ah, il faut que je me casse rapidement. Donc, P15. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais P15, il doit y réfléchir. Ouais, ça doit être ça. J'imagine. On va mettre une petite musique. Oh mince, c'est de ce côté. Hop. Tac. Ah mais si, vous avez la musique depuis tout à l'heure, je suis bête. C'est moi qui ai pas. Je me suis pas activé pour moi. Tac. C'est quoi cette musique? Qu'est-ce que je vous ai mis? Ok. C'était pas fait exprès.
C'était un peu musique d'ascenseur avant, j'ai l'impression. J'ai utilisé beaucoup de temps, hein, mais c'est pratique quand même d'avoir beaucoup de temps pour gérer son Fuseki, pas faire d'erreur en début de partie, ça c'est quelque chose qui me fait du bien quand même. Je vais regarder ce que ça donne un peu les autres parties à côté. Je vais mettre ça à gauche. Hop. Il y a tous les parties. Est-ce qu'il y en a qui sont très avancées? Ah, bah il y a une qui est finie déjà, en deux points d'interrogation. Bon. Ouais, mais comme c'est les pseudos, je ne saurais pas forcément. Il y a 4 Dan contre 1 Dan KGS. Ça, c'est. Enfin, 4 Dan FFG contre 1 Dan KGS. Ça doit être un 1, 2 ou 3 Q. Ouais. Ouais, il suffit que je regarde en fait. C'est 4 Dan FFG contre 3 Q FFG. Enfin, le 3 Q FFG et 1 Dan KGS, comme. Et la valeur partie, ça se passe. Ouais, c'est. J'ai encore début de partie, un coup 46. Donc, ok. Ok. Et il joue ce coup-là. Ok, classique. Classique, classique. Merci pour le follow, Yamichek. Ah, il y a deux points d'interrogation. Oups. Bon, bah, normalement, c'est ça ma réponse, hein. J'ai pas d'autre choix. Enfin, reculer comme ça, c'est mauvais. Faire l'atterri comme ça, c'est mauvais. C'est celui-là, hein. Je vais corriger, je vois qu'il y a deux points d'interrogation. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ici, j'ai le choix entre ça, ça et ça. Chacun apporte des choses différentes. Hein. Si je joue en P15, il fait d'abord Atari. Je descends. Et il monte. Je reviens pour prendre la pierre. Non, je reviens pour prendre la pierre comme ça. Je sais plus. Non. Si je vais là, il monte. Non, il fait atterri, tac. Il monte. Et je tourne là. Ah non, sinon il prend cette pierre. Non, c'est pas ça. Ah. Noir, blanc, noir, blanc. Non, c'est quand je fais ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Et blanc tourne. Et là, je prends. Ouais, c'est ça. Ce qui lui donne ce coup-là de possible et l'autre nickel Toby. Ok, donc de ce côté, je me trompe. Ça, c'est blanc. Bon, blanc Atari, hein, quand même. Mais ensuite. Noir, blanc, noir. Je crois que là, c'est celle-là où blanc fait ça. Et moi, je fais l'Atari. Il vient là. Et. Je recule ici en fait, et lui il vient là. C'est ça. Et si je fais ça, il descend. On protège ici, je crois.
Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Ouais, Atari, il descend, hein. On se laisse pas capturer, hein, sinon Ponuki. Et... Je crois qu'on descend pas, on protège. Il fait pas le contre-Atari, hein, sinon on capture, il fait ça, tac, il fait ça... ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est incroyable. Tac, 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 Atari, on monte, Atari, on va par là, il capture. Et normalement, c'est pas mal, ça. Noir, blanc, noir. Ouais, le plus violent possible, on est fort dans la zone, j'ai l'impression qu'on peut faire ça. Je crois que c'est une erreur pour lui de faire le contre-Atari et de déchirer. Gros gros doute, hein, mais j'ai l'impression que je peux être violent. Elle est assez propre notre partie, je trouve, pour le moment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bordel, quoi. 11 heures déjà. Ok. Bon, j'espère que le principe vous aime bien quand même. Rien de dire ce que je dis. J'espère que ça vous plaît quand même. Comme ça, parce que c'est. Enfin, y a pas d'interaction vraiment. J'essaie de parler quand même pas mal. Mais bon, c'est plus difficile de parler quand il n'y a pas de réponse forcément. Hein, mais après, je peux être un peu plus focus sur la partie également. Je vais réfléchir un peu plus sereinement. J'espère que ça vous plaît. C'est un bon compromis pour pouvoir streamer des tournois de faire comme ça. Voilà, il faut passer ses captures. Je pense qu'il hésite, hein, à faire ça. Normalement, dans la plupart des cas, quand tu te fais mettre en Atari sur la troisième ligne, comme ça, tu descends. Pour la J, pour ne pas donner un Ponuki. C'est ouais, c'est ça en fait. Mais concrètement, s'il fait ça, capture. S'il fait ça, on monte. Il refait ça, on monte. Et il nous déchire complètement, hein, mais on peut refaire Atari derrière. Sauf s'il a connecté, mais on peut tourner. Et finalement, oui, mais il est enfermé dans le coin. Il faut encore qu'il vive. Et si on chope le Sente pour sortir par là ou quelque chose, c'est chiant, quoi. On ferait quelques points ici, quand même. Eh, il le fait, hein. Bon, moi, il faut pas que j'y réfléchisse trop. Si je fais ça, il gagne un coup de plus. Pas capturé. Merci beaucoup. Oh. Ok. On protège, hein, j'ai pas d'intérêt à jouer ce coup, je pense. Bon, là, on répond à la deuxième Atari. On donne pas d'autres tortues. Hein. Il vient là. On vient là. On vient par là, j'imagine.
Tac. Si plus tard on vient ici, qu'il fait Atari, on vient là, il refait Atari là. Mais on vient ici, ça fait Atari. Même s'il protège, ça fait Atari. Il capture, on vient là, il protège. Et c'est problématique. Il n'y a pas des petits trucs sur un par là? Il doit rajouter un coup ici, je pense. Noir. Blanc. Noir. Blanc peut refaire Atari une fois. Tac. Non, c'est le même problème. Ça a l'air chiant si on vient là. Faut qu'il rajoute un coup. Bon, ici, on se fait combien de points? 3 x 6, 18. On se fait, ouais, 35 points, on va dire. Plus ici, on disait quoi? 15, 50, 60. On va dire qu'on a 60 points. On en aura d'autres ici, sûrement, mais on va dire 60. Lui, on disait combien ici? On disait 50, non? Je sais plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, 24. 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Il y a 45 quand même. Ce commis, il a plus de 50 ici. Ouais, il est bien dans la partie encore. Après, ici, là, il finit goté. Et on peut réduire. C'est ça qui est important. Mais par contre, il a plus de potentiel de faire des points que moi maintenant. Après, je peux en avoir d'autres. Hein. J'ai pas compté tout ça. J'ai compté quoi? J'ai compté 3 x 6 comme ça. C'est 6 x 5 d'ailleurs. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai compté 2 fois 3 x 6 alors que pas vraiment. Ok. Et est-ce que je finis vraiment Sente ici? S'il coupe, s'il fait ça, c'est embêtant, non? Bon, après, il faut pas que je réponde à ça. S'il coupe, Atari, il vient là. Atari, il vient là. S'il coupe, c'est embêtant quand même, non? Si je viens là, ça passe. Faut aller là. Tac. Je fais Nobby. Il fait. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si je fais ça, il me capture. Donc je suis obligé de reculer. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Donc s'il vient là, je suis obligé d'aller là. S'il vient là, ouais, je suis obligé d'aller là. S'il vient ici, faut que je vienne comme ça. Il vient là, je pousse encore. Ouais, c'est compliqué. Tac. Ou alors je fais ça, mais ça marche pas très bien. Tac, 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 tac. Il y a un escalier. Et qui amène là, quoi. Ça, le problème. S'il coupe, ouais, c'est compliqué. Ah, mais j'ai pas envie de finir goté sur ça. Si je finis goté, là, il est en avance dans la partie, non? En même temps, ça a l'air gros, hein, de faire ça. Ou alors, je rajoute un coup par ici. Simplement. Le chichot ne marche plus. Donc il aura des coups de réduction, bien sûr, hein, mais le chichot ne marche plus et ça commence à. Ça ferme un peu plus ça. Ça réduit un peu plus son potentiel à lui. Peut-être que je dois enclencher des séquences là-bas d'abord. S'il coupe, on fait ça. Tac, tac, tac. Continue. Ouais, c'est compliqué. On serait goté, hein. Il pourrait couper tout de suite, on serait goté et après revenir là. Donc ouais, non, je préfère rajouter un coup par ici.
Je sais pas trop quoi penser de tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Hop, le retour du café. Je suis plus aussi certain de mon que je sois bien dans la partie que tout à l'heure, mais bon. Là, il doit être en train de compter, j'imagine. On va peut-être recompter nous-mêmes. Oh, à droite, il a combien? On va avoir une petite quinzaine. Hein. Plus les 45 qu'il a là, ça fait 60. Il a minimum 70 points. Il en aura plus. Hein. Ouais, je pense que là, on a donné l'avantage. Si on a 15, 25, est-ce qu'on a 45 points ici? Dur à dire. 15. 15, 30. Il manque 15 points ici. Ouais, si, possible. Possible que ce soit serré. Moi encore là, souvent je suis défaitiste. Peut-être que je devais aller plutôt en. Après là, j'avais pas le timing, mais le E8, il me semble gros. Même taper vers du C10, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses. Il faut compliquer la partie, peut-être. On verra ça. Hop. Ouais, il a compté et il dit non, c'est large. Il est bien. Il est en train de dire si on fait ça tous les deux, il a assez. Tendance à lui dire t'as raison. Faut que je réduise. Hein. Est-ce que des coups par ici, ça peut marcher? Ça. Ouais, il va là tout simplement. Faudrait que je tape par là d'abord. Sauf que si il m'isole. Même si j'ai une pierre ici, toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qui est compliqué. Donc il faudrait que je fasse ça tout simplement. Il s'en va. Et on s'en va. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je vois pas ce que ça peut m'apporter en fait, réellement.
Faut que je réagisse. Il faut mettre de la pression sur ça, j'imagine. Si je fais ça, qui vient par là, tac tac, qui cross cut. Ouais, c'est ça, hein. Il peut aller là et je dois reculer comme ça. Il peut aller là, je recule comme ça. Il connecte, je tourne ici. Il s'en va. Ah, il faut que je réagisse d'une manière ou d'une autre. Faut mettre la pression. De sonde aussi un peu dans la forme quoi, au pire. Ça peut être intéressant. Tout simplement. Pou. C'est tellement bien d'avoir une heure quand même. En fait, si je le suis tranquillement dans la partie, on ferme nos moyos, tout ça et tout, ben, j'ai juste perdu, quoi. Donc, faut agir peut-être un petit peu. Je sais pas trop quoi en penser. Il doit y avoir quelques parties qui finissent déjà dans résultat. 4 parties qui sont finies. Et une cinquième, là, j'imagine, il y a quelqu'un qui écrit. Quand même. Ah non, il y en a une, c'est. C'était pour dire que c'était là. Donc, ouais, la quatrième est en train de finir, là, j'imagine. Ok, intéressant. Il y avait combien de tables? Il y avait combien de tables? Attends, c'est où? Nomination? Non, pas ça. Tac tac, général. Où est-ce qu'il y avait marqué les tables? Ah non, je suis bête. Tac, 17 tables. Ok, il y a 17 parties. C'est quoi ça? Chaque partie de Go est différente, mais certaines ont quelque chose de plus en plus et restent dans les mémoires. Si une partie du tournoi vous paraît remarquable sous l'un de ces aspects, nominez-la dans une des catégories suivantes. Partie la plus sanglante, plus de pierres capturées sur le Goban, c'est quoi ce jeu? Ah, plus de pierres capturées que sur le Goban. Alors, il répond comme ça. Okay. Bon, j'imagine qu'il a bien calculé ça, hein, si je fais ça. Il vient ici, je viens là, il vient ici. Je coupe comme une brute. Je peux mettre Atari et tac, il vient là. Et même si on fait Atari là, ça apporte pas grand-chose. Ok, donc ça à proscrire. Tac, tac, tac. S'il avance juste comme ça, on vient là, il coupe. Si on coupe, il vient là. Si on va là. Il va pas, il fait atterrir de ce côté. On vient ici. Il vient là. On a que deux libertés, c'est la fin de l'histoire. On peut pas faire ça. Dommage. Donc ça marche pas très bien. Ça, il va là, attaque. Il nous coupe, hein. Est-ce que c'est très utile finalement tout ça?
Peut-être qu'il faut couper tout de suite. Tac, s'il fait Atari comme ça, tac, Atari, donc il connecte et on se casse, donc il fait pas Atari de ce côté-là, ça fait l'angle vide et un petit peu en indice. Si on vient là, il irait là, on vient ici. Et est-ce que ça, ça suffit pour blanc? On monte là. Il vient là. On n'a déjà plus que deux libertés. On est mort. Ouais. Si on vient là, tac, tac, tac. Atari, il est là, on vient ici. Mais il bloque là. Ok, donc là, ici, il faut d'abord qu'on s'en aille. Comme ça, si s'en va aussi d'un côté ou de l'autre, on peut couper. Atari, tac, et quand il vient là, Atari. Même s'il peut faire ça. Capture, tac, mauvaise forme. Bon, c'est quand même coupé, c'est chiant pour lui. Donc quand on fait ça, il protège sûrement sa forme. Peut-être en jouant au milieu ou en allant là. Même si c'est pas très beau. Donc ouais, on s'en va en fait. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a un moyo plus gros que le ventre. Réclamer 120 points, c'est pas un peu beaucoup. La situation la plus inextricable. 5 heures et 2 cerveaux grillés plus tard, vous ne comprenez toujours pas cette position. Le plateau le plus pacifique, chacun respecte l'intégrité de l'autre. On se met d'accord entre gens raisonnables. Ça a presque été ça, là. Sur le fil, jamais plus d'un point d'écart, cette partie est tendue tout du long. Et partie à rebondissement, l'avantage n'a cessé de basculer tout le long. La partie, ouverture la plus étrange, ses choix de placement ne sont pas de ce monde. Pas mal comme truc. C'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, Opilus? Partie se finisse encore un peu. Ah oui, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parties de fini sur 17. Ils sont rapides. Ils sont rapides. Enfin rapide, 1h20, ça va, ça va. J'exagère. La première, c'est fini, ouais, 10h45 par contre là. 22 minutes 30 chacun. Est-ce que je suis trop agressif avec ça? Parce que théoriquement, il peut peut-être venir en N6. Je protège. Et après, il protège sa coupe. Et qu'est-ce que je fais avec mon truc? Pas évident, hein. Pas évident, ouais, en fait. Notre partie est finie. S'il vient en N6, est-ce que j'ai le droit d'aller direct en P6? Ça semble un peu non, cavalier. Tac, tac, tac. N6, P6, protège en P7. Je coupe en Q6, il met en Atari, en O6, je protège. Hein, il peut pas couper parce qu'il est en Atari lui-même. Après, si, il peut couper, il sacrifie les deux pierres. Et ensuite, il relie en N4. Il a isolé ma pierre, j'ai juste pris deux pierres, j'ai un bon yossé avec R7, mais en soi, lui, il pourra faire le contre-atari et réduire aussi. Ça peut être intéressant, c'est pour lui, ça, donc je sais pas si je force comme une brute.
T'as tous fini. Lui. Hop. Hop là. Je suis bête, hein, je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si les messages pop trop régulièrement. Oui, mais. Vous ne pouvez pas écrire. Je suis con. Marrant d'ailleurs, je joue contre un gars de Lorient. Quasiment le Finistère, ça, donc. Brest, Lorient, bon, pas très loin, hein, c'est 1h30 de route. On avait besoin de jouer en ligne pour ça. On me demande si j'ai du pas déjà vu, lui, en fait, tout simplement. De toute façon, son pseudo me dit quelque chose déjà. Je regarde son nom. Tac tac tac. Mais sinon, ah non, c'est pas à chaque fois j'oublie. Non, je me souviens pas de son nom. Après, c'est possible qu'on ait déjà joué ensemble. On est à peu près le même niveau. On habite pas loin. Ouais. Impossible quand même. En même temps, si je joue en N6 et que je résiste en N5, après, quand il protège là, certes, c'est pas beau, hein, je viens là, il vient là, je peux faire Atari, mais il peut faire contre-Atari, donc finalement, je vais m'abîmer mes points, j'ai qu'un œil. Le futur pierre capturé ici, mais c'est tout, quoi. Donc c'est un peu compliqué. N6, N5, ouais, il protège. Ce qu'il y a, c'est que en montant, il peut aller dans l'œil d'éléphant, donc c'est pas évident. Je sais pas trop comment répondre à ce genre de truc. Je pense que je fais direct, hein, quand même brut. Hein. Et s'il protège ici plutôt, en fait. Je continue. Il va là. Si je coupe, Atari. Tac. Il vient me couper. Ouais, en fait, ça marche pas du tout ce que je. Ouais, ça, N6, ça a l'air très très bien pour lui quand même, non? Aïe aïe aïe. Ça a l'air très bien pour lui. Ouais, tac, tac. C'est là en fait. Ouais, mais après je reviens là. Et maintenant c'est Mia et entre ici là. Ok, ça va, ça va, ça va. Donc il faut qu'il protège tout de suite en fait. Mais c'est chiant à protéger. S'il fait ça, on peut couper. S'il protège comme ça, on peut aller là. S'il monte, on peut aller là. S'il va ici, on peut couper. Donc il va là, on peut aller là, et on peut couper. Donc, tac, tac, il vient là, et je peux aller là, et c'est chiant pour lui. Potentiellement beaucoup de faux yeux. C'est pas évident comme situation. Hein. Loin d'être évident.
Quoi, là, ça lui prend la tête. Hein. Qu'est-ce qu'il joue d'autre à part N6 en fait? Enfin, à part N6, P5, je vois pas vraiment beaucoup d'autres solutions. Une pilote qui s'amuse, qui cherche tous les trucs. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de. Enfin, moi, je suis pas abonné vraiment à trop de chaînes donc. Ah, il y a Bob Ross. Hop! Il y a réfléchi depuis tellement longtemps que son que nos deux pseudos sont en gris du coup. Aïe aïe aïe. Il a quand même planté deux Dan à un moment sur KGS, hein, donc au-dessus de moi. De toute façon, je sens là, c'est pas facile la partie. Pas facile. Mais attendez pas à ça. Bon, alors, plusieurs trucs. Soit je réponds à ça, soit je coupe, soit je vais. Si je coupe tout de suite, qu'est-ce que ça donne? J'imagine que son plan, c'est de se casser avec ça tout de suite. On pourrait aller là. Il vient là, mais ça marche pas très bien. Si on vient là, ça a pas l'air de marcher très bien la coupe tout de suite, hein. Si on vient là. Là, clairement, ça dit t'inquiète, je te prends en gros. Si je mets ici, qui vient là, je vais ici. Atari, tac. Il fait ça. Je vais là. Il s'en va. Et on a cet Atari qui peut nous permettre de connecter aussi un jour, donc c'est chiant pour lui. Mais si je vais là, c'est chiant parce qu'il a ça. Si je vais là, c'est chiant parce qu'il peut aller là. Ça a l'air chiant, hein, c'est comme coup ce qu'il a fait là. Si je vais là, maintenant quand il revient ici, si je fais ça et qu'il protège d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus les problèmes dont on parlait. Donc ça donne envie d'aller quand même taper comme brute. Tac, s'il protège là. Enfin, s'il protège ici, on coupe, hein, c'est assez évident. S'il protège là, on avance, il va ici. On va là. Tari, tac. Il descend. On peut faire Atari. Peut créer un coup en soi. C'est bordélique. Mais s'il crée pas de coup, s'il répond, on peut prendre la pierre. Ouais, ça, ici. En petit escalier. Ouais. Compliqué, hein.
Enfin, on peut descendre une fois de plus aussi. Hein. Mais bon. Du coup, il faudra qu'il revienne à ça, hein. Moi, je vais là et là. C'est le bordel. Hein. Tac, tac, tac. S'il fait Atari, on vient là. Et qui va là. Ah, mais ça marche pas, mon truc. Mince. Mais non, ça marche pas. Parce que blanc, noir, blanc, noir, blanc Atari. Je vais là, et il vient ici, je suis capturé. Putain, mais je suis con. Donc je dois, maintenant, quand il va protéger là, je dois protéger comme ça en angle vidéo. S'il protège ici, et que je coupe, il fait Atari. Je vais là, il me capture. Non, ça me capture pas, puisque je reviens Atari. Il peut aller là. Je capture. Oh là là. Tac. C'est moche, hein. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir capture. Heureusement que j'ai cette pierre. Sinon, c'était mort, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai le droit de faire ça, non? Noir. Blanc doit revenir protégé, du coup. S'il revient protégé comme ça, imaginons. Et que je force, tac, et que je coupe. Il peut pas me capturer. Oh, c'est compliqué. Salut à tous. C'est compliqué. L'angle vide. Après, il y a peut-être celui-là aussi. Tac, tac, tac. Là, il vient là. Non, là, ça semble vraiment mort, ça. Ouais, tac. Blanc, on cap... Non. Blanc. Atari. Il vient là. Non, il vient là. Ah, je sais pas, hein. C'est compliqué. J'ai l'impression que les deux angles vides passent, même s'ils sont moches. Si on coupe tout de suite, ça donne quoi? Non, rien de bien. Atari, tac. Ou Atari, tac. Ah, mais oui, on peut peut-être couper tout de suite. Si je coupe là. Qui fait Atari comme ça, je vais là, il va là, je vais là. Bon, il a quand même pris cette pierre, hein. Tac, et bon, ici on n'a pas encore pris. Faudra aller là, il vient ici. On vient là, il pousse. On vient là. Ouais, mais on n'arrive pas à prendre. Ah. Donc si on fait ça, tac, 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 il vient là. Mais je peux pas faire ça, sinon il capture. Donc je suis obligé de faire ça. Il vient là, je viens là, il vient là. Double année peut-être. S'il fait Atari et qu'il recule. Nous on peut reculer également. Si ça recule, on va là. Putain, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Il y a tellement de trucs. Noir. C'est celui-là auquel on pense en premier. Blanc. Noir.
Noir, blanc, noir, blanc, noir. Vous pensez qu'il a plus de 3 libertés ici. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir. Ah, il y a Chichou. Je suis mort si je fais ça. Noir, blanc. Noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Je peux pas aller là, donc noir capture. Et blanc me remet en état ici. Donc 5, tac 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 tac. Je remets en état ici, donc je complète là et j'ai 2 libertés. Donc il vient ici, je vais là. Et lui il reste ces 2-là, donc il pousse là, tac, et chichou. Chichou! Salut Chris! Ah ouais, je suis mort si je fais ça. Et si je fais ça? Ah, il vient ici. Si je fais ça, c'est intéressant. Tac. C'est bordélique en vrai. Si je fais ça. Il peut venir ici. Je vais là. Il protège et il protège les deux côtés. Donc ça, c'est nul. Si je viens là. Il protège là. Je coupe. Atari, tac, et capture. Donc celui-là, il marche pas du tout. Il faut couper tout de suite alors. Tac. S'il va là, je vais là. S'il va ici, Atari. Il vient là, je capture. Il fait Atari tout, je viens là. Et là, cette fois, on a 3 libertés comme ça. Donc il peut pas faire ça comme ça. Tac. Il peut peut-être venir là. On vient ici. Il vient là. Atari. Il vient là, on capture. Tac, il irait là plutôt à l'heure, on vient là, il coupe là, on vient là. Il vient ici. C'est compliqué hein, pour moi. Et si je vais là comme une brute, on a dit ça marchait pas du tout. Peut-être que je dois revenir là d'abord. Mais c'est bête, on s'est abîmé de notre côté quoi. Si je viens là tout de suite. On va venir par là. S'il descend, peut-être que maintenant on peut couper. Atari, tac. Qui protège. On peut descendre. C'est pas beau ce que je fais. Si je viens là, qui vient ici. On peut aller là. Ouais, si on vient là maintenant. Non, c'est nul. Faudrait plutôt aller là. S'il descend, on capture avec ça. Tac, tac. Faut juste aller là.
En soi, c'est comme si là, on avait commencé ici. C'était un peu alourdi de ce côté, qu'on avait pu rajouter des coups comme ça, en soi. Mais bon, nous, on a abîmé notre pierre. C'est ce coup-là qui nous embête vraiment, ouais. Ouais, désolé, Oumpilou, ouais, c'est un peu catastrophique comme séquence. Pas dit qu'on ait gagné grand-chose, parce que ici, il peut encore rajouter un coup là, et là. Donc maintenant, il faut protéger par ici. En soi, il fait une forme dégueu aussi. Hein. On peut encore dire, regarde, je te fais souffrir, je vais par là. S'il vient par ici, Atari, tac. On revient comme ça, s'il pousse, Atari, tac, on va par là. Je sais pas. Là, il faut que je protège par ici, j'imagine. Menacer de recouvrir comme ça. Même si normalement, il est complètement vivant ici, hein, mais bon. Là, il va venir ici, j'imagine. De toute façon, même si je... Je sais pas. Ici, il est vivant, hein, et normalement, il a cette pierre et un œil ici. C'est compliqué le go. C'est dur le go. Je suis en bio-EMI en plus bientôt. 3 fois 30 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'essaie d'améliorer aussi d'ailleurs le chat à gauche, que ce soit un peu plus lisible avec ce... mince. J'ai plus le mot. Ce petit background en gros, mais j'ai plus le mot. Arrière-plan, quoi. C'est pas esthétique, mais c'est plus lisible. Vous en êtes où, vous? Ah ouais, ok, je suis là. Ok. Ce qui se passe en 5 minutes, c'est fou. Je vais mettre d'autres musiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit truc un peu plus... Un peu différent. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique? En même temps, il faut pas un truc trop... Allez. Ok. J'ai l'impression que j'ai un peu de chance quand même, hein, qu'ils répondent, qu'ils répondent, qu'ils répondent. Déjà, je peux fermer mon territoire. Enfin, fermer. S'il joue par là, que je viens là, qu'il joue là, je bloque, il peut faire Atari, Atari. Donc c'est pas fermé, fermé. Ouais, plutôt toucher en fait. Dommage que j'ai pas de pierre là, hein. Sinon vraiment ce coup-là, j'hésiterais pas trop à créer deux problèmes. Ça le forcerait peut-être un jour ou l'autre à faire un Atari qui m'intéresserait par là. En vrai, ça peut peut-être être intéressant. Faut imaginer s'il répond pas localement, qu'est-ce que ça fait? Je peux rajouter ça, il protège là. On protège ici. Il revient là. On met la pression comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu risqué. Est-ce qu'on peut pas menacer d'entrer là déjà? Tac. Blanc. Noir, blanc. Ça sert pas grand-chose de toute façon. Tac, tac, tac. Si je viens là, en fait, il a juste allé là, c'est plus moi qui suis emmerdé que lui. Et je vais rentrer en vieux, oui, j'ai plus trop le temps de réfléchir, hein. J'aurai 30 secondes par coup. Aïe, 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 je pensais arriver à plus loin dans la partie quand même, avant le vieux, oui.
C'est dingue, hein. Même une heure, j'ai joué 45 ou 46. Ouf, ouf. C'est dingue. Faut faire ça quand même, oui, attends. Tac, tac, tac. Tu fais le double année, on le fait également. Il faut être sûr d'avoir assez de points, quoi. Et un coup comme ça. Il vient ici, je viens là. 10 seconds. 1, 2, Mais il rentre dans mon truc. 3, Mais je rentre dans son 4, truc. 5, C'est 6, risqué, un truc comme ça. 7, 8, 9. Tac, tac, tac. Il rentre. Et je rentre. Il a peut-être plus à perdre que moi. Parce que c'est le seul endroit où il a beaucoup, beaucoup de points. J'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il aimerait pas qu'on se déchire tous les deux. Moi j'ai ça et ça, lui il a ça. Mais si je détruis ce qu'il y a ici, c'est assez problématique quand même. S'il risque comme ça, Nobi. S'il monte, on bloque. S'il vient là, tac. Alors, s'il vient comme ça, peut-être qu'on doit remonter comme ça. Il fait le Nobi. Ça fait déjà une belle réduction. Et ensuite, on peut menacer vraiment par là. Salut Phoenix! Bon, je verrais bien un petit croc popé là avec cette musique là. Ah oui, mais la musique sera dans 5 minutes pour vous, du coup, si je comprends bien. Alors, est-ce qu'on a envie d'être déchirés tous les deux? Si je viens là. Je viens ici. Et j'attaque durement. 10 seconds. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est le bordel. C'était assez calme jusque-là, on va calme. C'était pas non plus chaotique, quoi, je veux dire. Ouh, tout le monde déchire tout le monde. Oh là 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 là. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je vais regretter ces séquences? J'ai plus beaucoup de temps pour réfléchir et moi je m'embarque dans ça. C'est peut-être pas très malin. Il protège du maximum ses faiblesses. Ah, si je fais ça, il aura quand même ça, ça. Et après, il faudra que je revienne là. Ça, c'est chiant. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais en même temps, je vois pas trop comment on va protéger sien. Ça, c'est un peu mou, quoi. Est-ce que c'était une erreur?
tout cas, ouais, prochaine. Ten seconds. One, two, three, four, five. On va protéger ça. Après, je suis pas forcément fan de son coup ici. Hein. Il perd quand même. Il gagne pas de liberté. Ah, ok, je prends tout. Ok. Il peut faire ça? Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh là là, j'ai plus de temps pour réfléchir. Je me suis embarqué dans un truc beaucoup trop compliqué. Merde. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Compliqué. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais pas dû, c'était bizarre. Aïe aïe aïe. C'est pas bon. Je me demande, même si je prenais ces 4 pierres en sacrifiant, il prend ça, je prends ces 4 pierres, mais est-ce que je perds ici, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas vraiment. En fait, j'ai pas trop le temps de le compter, là, il faudrait, mais... C'est dur, ici, je peux plus compter vraiment. En vrai, ici, j'avais pas mal, peut-être que je devais faire, mais... Je sais pas. Non, plus le choix. Il faut vivre ici. Il faut faire quelque chose.
Ouais, Atari. Fais là, il monte. Même si je fais ça, il peut faire Atari tac, qui protège, je sors. Ouais, ça menace quand même ça. Fait, on crée quand même une position où il y a ça, ça, dès que je joue E2, ça peut être une question aussi. On va compliquer la partie, on va dire. Si j'étais en retard, on se l'a dit, peut-être que c'était une bonne idée, hein. Si j'étais en retard, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que j'avais pas recompté. Si j'avais 15, 10, 25. J'avais peut-être pas besoin. J'avais peut-être pas besoin. S'il continue, je fais ça. S'il fait Atari, je viens là. Tac, je sors encore. Et là, il doit faire attention parce que ça menace ça. Mais en même temps, il y a la coupe qui est menacée, donc il protège sa coupe. Ensuite, je viens là. Et il doit sortir avec ça. Mais quand il va pousser. Est-ce que je peux attaquer ça? C'est dur. Parce que là, je. Même partir vraiment là ici. Parce que si je viens là, il peut aller là. Tac, tac, tac. En fait, si je viens ici, est-ce que ça réveille aussi ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Il est dur ce jeu. C'est tellement dur. Mais même une fois qu'il a fait ça là, imaginons tac, 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 tac. Moi je sors avec mon truc un peu dégueu. Et après je peux jouer là. S'il prend comme ça, je peux venir là. Ça met Atari. Capture. Je viens là. Il joue ici, je protège. Donc non, il peut pas vraiment faire ça. Donc une fois qu'il y a cette séquence, quand je fais ça. Oh non, mais il vient là, je suis con. Bon, déjà on fait ça. Ça menace quand même d'aller là aussi. Ah, ça fait pas grand chose hein, parce que là il monte là en fait. Et je viens là. Je peux faire atari, tac, mais après il prend là. Bah ouais, mais je viens là. Capture, je refais atari, il vient là et je couvre, et il est mort. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour lui aussi. On est dans la merde tous les deux. Mais bon, j'ai l'impression que c'est ça, je sais pas, c'est tellement dur à dire. En vrai, là, tu protèges ton truc, non? Mais même en protégeant. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens là? Pas évident. C'est le bordel. C'est le bordel. J'espère que vous appréciez. Petite musique bretonne.
La plupart des parties doivent être finies d'ailleurs. Ouh! Oh, je vais venir là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Si je viens là, je suis mort. Si je coupe, je suis mort. J'ai pas trop le choix. Mais par contre, ouais, si, c'était pour garder maximum la liberté. Parce que l'atterri, ça aurait été une erreur. Il aurait perdu une liberté ici. Maintenant, quand je viendrai là, il y a moins de trucs. Donc maintenant, il vient là. Mais je couvre comme ça. Peut-être qu'il vient comme ça, du coup. Alors il vient là, je coupe, Atari, tac. Ah, c'est compliqué pour lui aussi. Hein. Allez, c'est pas fini. Pour des coups intéressants aussi, plus tard, peut-être selon comment ça se passe ici, je me dis H3. S'il sort, on protège. Il doit protéger, il a une forme dégueu. En tout cas, il fait pas grand-chose. Si on fait ça, qu'il prend la pierre, on peut venir là. C'est problématique. Il vient comme ça. Est-ce que j'ai le droit de couper ? 10 seconds. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oh, j'ai plus qu'une période. Tac. Atari. Tac. Il protège. Je dois peut-être couper tout de suite. Ten seconds. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas le temps. Ah! Je crois que j'ai fait une erreur. Si je fais ça, qui vient là? Atari. Tac. Atari. Il vient là. Atari. Il peut pas aller là, donc il capture. Atari, tac, et je capture le tout. J'ai le droit de faire ça. S'il pousse ici, je vais là. Il protège. 10 seconds. 1, 2. J'ai le droit de protéger. Je crois. C'est chaud. Ça devient blitz pour moi, là. Aïe, aïe, aïe. Salut Fuseki. J'ai vu que t'étais sur la partie aussi. Sauf s'il y a deux Fuseki, c'est pas possible, mais Fuseki 3, j'imagine que c'est toi. Enfin, tu m'entendras dans 5 minutes, donc je vais plutôt dire yo Fuseki ici. Coup de main à prendre. S'il protège en F9. Je pense que j'ai le timing de sortir avec ça. Tac, blanc, noir, blanc, blanc. Ouais, non, ça va. Donc j'ai le timing de sortir. Parce que ensuite, s'il pousse comme ça, on vient ici, mais il n'est pas vivant là. Hein. S'il pousse comme ça, tac, bah, il meurt là quand même. Ok. Mais il peut ressusciter ça. Ouais, non, c'est un peu chiant. S'il protège là, on a peut-être envie de descendre tout de suite. Quitte à ce qu'il puisse enfermer ici. Mais en fait, ça garde un peu en vie ces trucs-là. Dur de faire un choix. Et s'il protège comme ça, je monte. Non. Non, s'il protège comme ça, je peux pas monter parce que la tarie est prise ici ne marche pas. Donc s'il monte comme ça, je dois descendre. Je peux pas couper. Tac. Il vient ici. Ou alors il capture. Ensuite je viens là. Il protège. 10 seconds. 1, 2, 3.
Oh là là, four, non. 5, 6, 7. Ouais, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Il protège comme ça, je viens là. Capture. On vient ici. Oh, je suis pas sûr de ce que j'ai fait, j'aurais peut-être dû descendre. Tac, tac, tac. Oh non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ah, fichier. 30 secondes par coup, c'est pas possible. Mais maintenant, ouais, il a des coups comme ça. Ah, fait chier. C'est pas marrant. Après, s'il vient là, j'ai toujours peut-être ce coup-là. S'il vient ici, j'ai ça. S'il vient là, bah, on couvre. Donc ouais, on aura ça. Ouais, c'est pas encore évident, c'est pas encore évident. Mais s'il pousse tout simplement, attends, c'est pas évident encore, il y a peut-être beaucoup d'edgy, mais franchement, je... Je sais pas, en 30 secondes, c'est compliqué. Il y aura pas mal de choses à redire, j'imagine. Bon, on reviendra peut-être pas juste après, parce que les parties sont longues, il faudra que je mange ce midi. Mais ça pourra être soit sur YouTube, soit demain, soit lundi soir, ça peut être intéressant de voir ça aussi. C'est dur, hein. Il est fort. J'ai mis trop de temps, je pense, à jouer. Il faudra peut-être que je parle un peu moins sur les prochaines parties. Ici, je me demande s'il n'y a pas le Josh 3 toujours. Ah, chier. Bon, ça a rien de réfléchir à ce que j'aurais dû jouer. Il faut maintenant regarder qu'est-ce qui se passe maintenant. Si je joue. On va ici. Tac. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Blanc. S'il vient là. Non, s'il vient ici. Blanc, noir, blanc, noir. 10 seconds. 1, 2, 3. Mais il peut pas me capturer là, four, si. 5, 6, 7. C'est pas une erreur de sa part, là. Il peut pas me capturer. J'ai une liberté de plus aussi, non? S'il fait ça, que je connecte, il vient là, Atari, protège, je viens là, il est mort. S'il fait ça, tac, il vient ici, je capture, certes il peut remettre un Atari, mais je viens là, il me reste deux libertés, s'il vient ici, je vais là, j'en gagne, s'il vient ici, je descends, c'est dangereux pour son groupe. C'était gourmand ça, non? Tac, tac, j'hallucine pas, quand il fait ça, je viens là, j'ai quatre libertés, donc peu importe laquelle il retire, Atari, bah il répond, sinon je capture et ça relie, et il a trois libertés contre 3, donc c'est bon. Je me demande. 10 seconds. 1, 2. Bon, en tout cas, il m'accompagne dans ce billet, Omi. Le stress est des deux côtés maintenant, c'est cool. Allez, tombe à 2. C'est pas sympa, mais. C'est le jeu. Allez. J'imagine de ce côté aussi, ça va être ultra stressant. C'est. Enfin, stressant. Compliqué, ça va, ça reste un jeu, mais bon. Ten seconds. One. Oh, c'est dur. J'imagine que... Enfin, je vais pas là. Je vais là. Il vient ici. Je vais là. S'il vient ici, Atari. Ça me met pas en Atari, hein. Tac. Hein, il peut aller là d'abord. Ten seconds. On capture ici. Two. Il vient là, tac, tac. Three. Four. Five. Six. Seven. Peut-être que je dois aller là. Parce que si je vais là, il pouvait aller ici. On pouvait pas capturer là, sinon c'était snapback.
Donc on capture ici, il revenait là, Atari, il revenait là, tac, et on se faisait capture en gros. C'était joli coup. Et là, je viens là. S'il vient ici. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il vient là, six, Atari. Seven, eight, nine. Vive les angles vides, au passage. Donc il vient ici. Et je descends en obi pour rendre ça mi-ay. S'il vient là, Atari, tac. Ouais, mais j'ai plus que deux libertés ici. Donc non, Atari comme ça. 10 seconds. 1, 2, 3. S'il vient là, attaque. 4, 5, attention à lui. 6, joue. 7. Je me demande si je dois pas aller là. Ou alors peut-être ça, non. Si je viens ici. 10 seconds. Il vient one, là. Atari. 2, 3, tac. 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement. Il peut aller là. On capture ici. S'il fait Atari comme ça, on capture ça. Donc là, il vient là. Je capture. Mais s'il protège ça, on peut faire 10 seconds. 1. Atari ici. Oh là 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 là. C'est compliqué. Bah oui. Donc là, il a envie de protéger. Non, il protège là. Dans ce cas, on capture ici. Et là, il revient par là. Ah, peut-être que je pouvais aller là. Bon, là, il revient par là, en tout cas. 10 seconds. Il revient ici. Ouais, c'est gros, d'ailleurs, j'imagine. Mais d'abord, est-ce que je peux pas attaquer ça durement? Avec un coup comme ça, on disait. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ouais, je sais pas. C'est un peu mou, peut-être ça, hein. C'est un peu gentil. Ouais, c'est peut-être un peu gentil. Si je fais ça, il fait Atari, tac, il connecte. C'est un peu nul. Ouais, c'est un peu nul. C'est pas fou. Surtout que je suis pas encore vivant ici, en fait. Hop, pardon. Il protège la coupe, en plus, comme ça. On a cette capture ici. Ouais, c'est nul. Oh là là. Ah, je suis en train de louper des choses, là. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven. Ensuite, il faut que je revienne par là, mais j'ai pas le timing de couper ici, malheureusement. Ah, c'est chiant quand je viens là. Il protège ici. 10 seconds. One. 2, 3, ah non, four, parce que ça menace, moi je suis five. Menace d'aller là. Je me demande. Ouais, là je menace d'aller là. La coupe ici peut être intéressante, je sais pas. Parce que s'il protège comme ça, je vais là, il coupe. Ça c'est gros aussi, seconds. Mais là j'ai l'impression que cette coupe est plus grosse pour le moment. 3, 4, 5, 6, 7.
Ah ouais? Si je viens là, il coupe, je viens là, Atari, tac. Il vient ici, sérieux, je suis mort? Tac, tac, tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis vraiment mort ici? Si je fais ça. Ten seconds. One, two, three. S'il vient ici, je vais là. S'il fait ça, on capture. Pour revenir là, on fait Atari comme ça. Capture ça. On peut faire Atari ici. Ten seconds. One. Pas des choses par ici. 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, ce bordel! Oh, qu'est-ce qu'on fait? On est coupé de partout. Il est coupé ici aussi. Hein. Et là. Oh là là. Bon, là, il faut. Par contre, j'aurais peut-être joué ça pour des libertés. Mais... Il vient ici. Très bien. Je sais pas. Si je coupe, tac, il vient là. Je fais ça. C'est juste un faisable. C'est sûrement important de faire ça. Ah, c'est compliqué. Je me suis un peu compliqué la tâche. 10 seconds. One, en fait, il vient là, two, voir ici, pour retirer une liberté. Je viens comme ça, non? Si je viens comme ça, il vient ici, Atari. Tac, et on prend la pierre. Donc, il descend d'abord. 10 seconds. One, ouais, on va revenir comme ça. Se protège comme ça, j'imagine, pour dire je vais prendre des yeux, je fais Atari là d'abord. Merde. C'est de la merde. Il est vivant. Aïe. Aïe. Bon, après, on peut peut-être prendre ça. Hein. Mais on a donné tout ça, potentiellement. Ten seconds. Ah, il faut tenter de couper. Hein. Il faut tenter des choses. Ouais, normal. Bon, on va gagner des libertés quand même, on va aller par ici. Oh, je sais pas, hein. C'est chaud, on a un œil. Ouh. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est dur. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. On va venir là.
finalement, on refait un peu ici, tac, et si on arrive à avoir ça, on aurait ça. Je sais pas. Mais non, je suis con. Oh, bah non, mais c'est fini. Bah oui, mais s'il capture ça, ça ressuscite. Ah, je suis débile. Sérieux? Tac, tac, tac. Il vient là. Oh, quelle galère. Je fais n'importe 10 quoi. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Bon, bah, il faut essayer de capturer ça avant qu'il capture ça, mais c'est chaud. C'est chaud. Beaucoup de liberté. 10 seconds. Ah, on a perdu 1, cette partie, non 2, 3, 4. Ici, je fais n'importe quoi encore. Pardon. Qu'est-ce qu'il fout? Bah, je suis vivant. Mais. Il était mort? Mais. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas vu quelque chose? 10 seconds. 1, 2. Je sais pas. C'est compliqué le go. Bon, au moins la partie doit être sympa à regarder. C'est chaotique. Ça va devenir vraiment gros. Tac, tac, tac. 10 seconds. 1. Il peut faire Atari, mais on fait contre-Atari ici. Ouais. 4. À la rigueur. Ah, la musique s'est arrêtée. Ouf. Et du coup, ici, maintenant, est-ce qu'il est vraiment vivant? C'est une question qui se pose aussi. Hein. Ok. Bon, ça sert à rien de répondre. S'il vient là, tac. Ok, parce que là, s'il vient là, il vient ici. On capture ça, mais il peut descendre pour capturer. Donc ça sert à rien. Par contre... 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, cela dit, il n'est pas encore vivant. Il y a un œil. Ça, on est d'accord. Tac. Ouais, c'est santé pour prendre cet œil, c'est vrai. Après, s'il est sûr de vivre, est-ce que c'est intéressant si je viens là? Est-ce qu'il est sûr de vivre? Il vient ici, je viens là. Il n'est pas encore sûr de vivre à 100%. Je viens là. Menacé d'aller ici. Et quand il connecte là, je monte là. Il peut encore sortir, hein, mais... à voir.
Peut-être que je peux tuer ça. Entre ça et ça, quoi. Ça, ça va vraiment devenir gros un jour. 10 seconds. 1, 2, compliqué cette partie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh non. Non, non, ça c'est... Bah tant mieux pour moi, mais c'est... Pas bah, une partie comme ça, je pense que lui comme moi, on a envie... Gros bordel. Ouais, il me dit merci pour la partie. Il dit destroy comme partie. Ouais, c'est. Oh là là, quel bordel. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Alors, il dit on a fait de la merde à la fin de partie avec le temps et tout. Moi je lui parle de cette position, on va dire. Ah là là, bon. J'aurais dû connecter les deux pierres, j'avais oublié que ça tue du noir. Ouais, ouais, là, ouais, les deux pierres ici. En tout cas, gros bordel, hein, cette partie. Je sais pas où vous en êtes, vous. Ah, c'est pas encore fini, pour ceux qui regardent. Les, bah, il dit qu'il se voyait en retard aussi.